Brigitte Macron est sublime en total look bleu nuit. Elle adopte une robe courte. Brigitte Macron et son mari, le président de la République, sont actuellement en Argentine pour un voyage officiel de séjour. Le but est de renforcer la coopération entre l'Argentine et la France en matière d'économie, de défense et d'innovation, écrit le président sur X. Après une visite de l'Élysée, une visite de l'église Santa Cruz, lieu important dans la lutte contre la dictature militaire de l'époque, à Buenos Aires, le couple présidentiel, à d'autres endroits où se rendre. Brigitte Macron a passé un moment d'échange avec les élèves du lycée Jean Mermoz, un établissement franco-argentin, ce dimanche 17 novembre. La première dame a également pu discuter avec des familles des victimes de la dictature argentine et a pu leur apporter son soutien pour l'occasion. La première dame s'est montrée plus élégante que jamais et a une nouvelle fois incarné avec brio le chic à la française. Ce n'est pas la première fois que Brigitte Macron choisit de porter une tenue bleue. Elle met souvent cette nuance très élégante qui symbolise la stabilité, mais aussi l'apaisement, la confiance et loyauté. De plus, le bleu nuit, mais aussi le bleu marine qu'elle porte régulièrement sont superbes sur Brigitte Macron. En effet, les deux nuances lui vont parfaitement au teint et surtout, elles mettent en valeur son blond lumineux. Pour aller à la rencontre des élèves du lycée franco-argentin, Brigitte Macron a opté pour un total look bleu nuit, aussi chic que lumineux grâce au tissu légèrement irisé du manteau et de la robe. La première dame a choisi une robe étroite, une forme qu'elle adore et au-dessus du genou. Cette longueur moderne dynamise tout son look et met en valeur ses jambes fines. Brigitte Macron prouve que les vêtements courts ne sont pas interdits après un certain âge. Au contraire, si vous aimez cette longueur sur vous, alors foncez. On adore le fait que la première dame a sorti sa robe et son manteau qui est légèrement plus long, ce qui est très élégant. Pour compléter sa tenue, Brigitte Macron a enfilé une paire d'escarpins à talons aiguilles très chiches qui allonge sa silhouette. Quand on parle de vêtements courts, tout est relatif. Pour nous, le court commence au-dessus du genou. Certaines longueurs peuvent apparaître plus ou moins modernes. On pense évidemment à la longueur qui arrive sous le genou, qui peut vite être mémérisante, car elle casse l'élan de la jambe. Pour avoir un look moderne, on conseille de miser sur une longueur de XXL qui arrive au niveau des chevilles ou mi-molette, ou alors sur une longueur qui s'arrête au-dessus du genou, comme la robe de Brigitte Macron. Même après 70 ans, cette longueur peut être élégante. Il n'y a pas de règle, néanmoins, pour être certain d'être chic. Certaines